Eh hey, mes viewers, bonjour et bienvenue pour les suivants aventures sur Mountain Blade Warwound. Donc là j'ai passé 6 jours. Pas 6 jours. On va attendre le 7ème pour que le bâtiment religieux finisse de se construire. Alors là. Ok, nouveau Marshal pour pour la France. Théodoric. Bon ouais, Théodoric. Hein. Ah c'est con, on était bien avec Noyan. Mais Théodoric, ça fait plus classe que Noyan, quand même. Pour un franc, en tout cas, hein. Ok. Le monastère est terminé. J'ai besoin d'une population de 500. Hein, j'espère qu'il parle pas de 500 soldats quand même. 500 soldats, ça va être compliqué quand même. Ah bon, bon, je comprends pas. Unité de population, at least 500 people here. Mmh. Le problème, c'est que je sais pas combien ils sont. Oh. Oh, de la merde. Il veut que je lui ramène 6 vins. Ça risque d'être très compliqué à trouver. Bon. Bon, déception, hein. Déception. 500 people. Ouais. Faudrait que j'essaie de me renseigner, voir si, si c'est 500 troupes dans mon armée. Je vois que ça, hein, parce que la population du village, on la connaît pas, on peut pas la connaître. À moins qu'il y ait un menu que je ne connaisse pas, bien sûr, mais... Bon. Donc là, on attaque des brigands. Des pillards, pardon. Des pillards qui sont en conflit avec une patrouille de Cambrai. Patrouille de France. J'ai laissé le loot à mes hommes, bien sûr. Clovis. Alors, qu'est-ce qu'on fait de beau, Clovis? On est toujours en guerre, là-bas? Ouais. D'accord.
Ok, je suis en train de placer les troupes, tranquille. Je décalais la cavalerie sur le flanc gauche. C'est un peu trop, mais bon. Ouais. On va les laisser se débrouiller, ils ont l'air bien. Alors, Catherine, équipement, un petit bouclier. Elle a des cailloux, elle, sérieux? Ah non, elle a des boules de feu. D'accord. Ouais. Ouais, je m'y attendais pas à celle-là, tu vois. Oh là, il a 4 niveaux à faire lui. Équitation, 3. Ouais, 3 c'est bien. J'ai pas besoin de lui mettre d'agilité parce que 3 d'équitation c'est très bien. 15. Un point de compétence supplémentaire. Commence gentiment à lui mettre du sens du commandement. À la hyène, ça deviendra peut-être notre maréchal. Ça devient un petit peu trop de taxes. Hein. Et il y a un banquet à Nevirum, on va y aller. Ce qu'on a, non? Ouais. Enfin, les banquiers, ils sont buggés, hein, encore une fois. On va voir personne, voilà. Il y a Clovis qui vient d'arriver, on rejoint le banquet, et il est pas là. Bon, ouais, on gagne 2 points. Il a pas de tâche à me confier. C'est la tristesse quand même, on a déclaré une guerre et... Parce que dalle. Neuf têtes de bétail, c'est super cher mon gars, t'es fou quoi. Deniers juste pour un village de bouseux. Bon.
Donc là, il veut du vin, mais une unité de vin, donc ça devrait le faire. Le tout, c'est de savoir dans quoi c'est stocké le pinard. On a mis ça dans des tonneaux, dans des pots. On ne sait pas. Où là? Il faut qu'on trouve un rançonneur aussi sur le chemin. C'est un marin, ça c'est un joueur, et ça c'est une serveuse. Une aubergiste, pardon. On va aller voir à Cambrai. Cambrai, ils ont. C'est connu. C'est connu mondialement. Ils font du vin à Cambrai. Oh, vous êtes tombé dans un piège. Il y avait longtemps. Je dois être le seigneur le plus poissard du monde quand même. Ouais, le seigneur. Eh ouais, le seigneur. Bah oui, je suis vassal, j'ai un village, je suis le seigneur de machin. Eh ouais, mon gars. Il n'y en avait que 3? Ok. Bon, on va aller dans le sud, hein. Le pinard, c'est plus dans le sud. Bon. À Marseille, est-ce qu'on a des vignerons vers Marseille? Heureusement que j'ai pas pris la quête tout à l'heure qui me demandait de lui ramener 6 vins quand même. Je l'avais senti venir le coup de, hein. Ah non, non merci. Ok. Compiègne. C'est l'hiver. C'est l'hiver quand ça fait froid. Ta cagoule. Et Rivacheg, ils se sont calmés, il y avait une révolte, hein, Rivacheg. Oh, excellent! Ils ont mis de la neige, c'est cool ça. Ok, bon ouais, deux quêtes c'est déjà bien.
Oh putain. Crois qu'on a les 500 personnes. Par contre, il manque 1500 balles. Oh. Ah mais il faut tellement de la thune vite là. Je vais revendre mon armure, obligé.576, ah là là, il va nous en manquer encore énormément. Si on pouvait revendre les prisonniers. Ok. Putain, c'est cool. Non, par contre, le bruit du vent, c'est chiant. Ou tu le mets ou tu le mets pas, mais... Ah, il y a un tournoi. C'est important d'apprendre les poèmes. Bon, tournoi. Allez, c'est le tournoi qui paiera notre ville, les gars. Notre village, notre ville, notre ville, notre ville. On avait un village, on va avoir une ville. Je suis bleu, je suis bleu. Hashtag je suis bleu, bordel. Tu peux rien faire avec ta lance, gros. Pas possible. Là, je suis pas prenable. J'ai une épée, t'as une lance, c'est mort. Ça j'aurais buté des chevals, y a pas de souci. J'aurais buté des chevals, je viens de dire ça. Je viens de dire j'aurais buté des chevals. Oh non, l'épée elle est tombée en dehors du terrain. Vu où était partie l'épée là. Après on se débrouille bien, on se débrouille bien à la lance. Hein. Un petit peu plus long quoi même. Bien joué, bien joué, bien joué. Il nous a fait une fin de corps, lui. Ouais, on prend la distance. Sérieusement? Non mais...
Ok. Troisième tour. Elle est où? Cherche son épée. Et 4 équipes de 1, c'est cool. That fail, that fail, that fail, that fail. Ah, ils voulaient pas tomber les mecs. Au revoir madame. Oh, raté, sérieux? Ah, il a peut-être paré. Ah, c'est bon. Je dis le cheval, c'est bon, comme si j'avais visé le cheval, c'est... Ok, un petit dernier. Le cheval, c'est fait. Et le bonhomme, c'est fait. Bon, encore deux tours. Par contre, le temps de construction de la ville, ça va être... Ah, à mon avis, ça va être ouf. Genre un mois ou deux, quoi, facile. Oh oui. Oh oui, facile, facile deux mois, oui, c'est clair, c'est clair. Donc, pour une école, il faut 30 jours, donc une ville... On va voir s'il y a Gertrude. Je suis pas sûr. Je lui dédie mon tournoi, mais je pense que c'est une femme de noble déjà. C'est pas pour la choper, c'est pour faire des contacts quoi. Je connais déjà tous ses poèmes à lui, donc on va pouvoir aller à Compiègne. Ah putain, faut d'abord 5000 et ensuite faut 500 personnes. Je croyais que j'avais passé les 500 personnes, mais non. C'est qu'en fait, j'étais passé sous les 5000. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, il fallait faire le tournoi quand même pour gagner du pognon. Pas de regret, mais la tristesse. La tristesse dans nos cœurs.
Et bon, bon, écoutez, sur ce, les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit demain pour de nouvelles aventures. Ciao.